Charlotte Gaccio, la comédienne de Demain nous appartient et son mari Sébastien Ponce ont passé du bon temps aux Seychelles pendant quelques jours. L'actrice a partagé des images de son séjour ensoleillé. Il y a 8 semaines, Charlotte Gaccio, l'interprète d'Audrey Roussel, dans Demain nous appartient, fêtait ses noces de corail avec son compagnon. Comme Audrey et Damien, on avait eu un peu de stress avant. C'était, au total, un an d'organisation. Et nous aussi, on avait choisi de se marier à l'américaine, s'était rappelé la fille de Michel Bernier dans les colonnes de télé 2 semaines. Cela m'a forcément rappelé ce joli moment. Je me serais bien marié tous les week-ends, j'ai tellement adoré le faire. Avoir tous les gens qu'on aime réunis au même endroit et même moment pour célébrer quelque chose de joyeux, je trouve que c'est magnifique. J'ai envie de ressentir cette sensation tout le temps. C'était tellement beau. Un séjour aux Seychelles pour Charlotte Gaccio et son compagnon pour célébrer ses plus de 10 ans de mariage, le couple n'a pas renouvelé ses vœux. On devait le faire pour l'anniversaire de nos 10 ans de mariage mais, finalement, on s'achète une maison. On le fera peut-être pour nos 15 ou 20 ans. Je compte rester uni avec lui pour toute la vie. Si on a l'occasion, on le fera, avait expliqué l'actrice. Les parents de jumeaux Zoé et Roméo sont quand même partis au soleil. Direction les Seychelles pour un séjour tout frais payé. Bien arrivé aux Seychelles, avion, Seychelles, île déserte. Écrivait Charlotte Gaccio. Premier jour tranquille à la plage, les activités prévues commencent demain. Merci @tourlane, grâce à vous on a les vacances en amoureux dont on rêvait, mais qu'on n'osait pas prendre. Du kiff, de l'aventure et du farniente nos premiers jours aux Seychelles, île déserte, plongée, plage, randonnée, bateau. De belles vacances en amoureux. @tourlane a bien cerné nos envies pour cette semaine à deux, île déserte. N'oubliez pas d'utiliser Charlotte 200 si vous réservez vos vacances avec eux, visage cool, poursuivez la maman. Avant de dévoiler la dernière partie de son séjour, nos derniers jours aux Seychelles, sur l'île de Mahé, entre plage et randonnée à anse major et un petit tour en bateau, quel plaisir de se retrouver, de découvrir un nouveau pays ensemble, vraiment @tourlane a tout compris à ce qu'on voulait. Du kiff, de l'aventure et du farniente, île déserte, on prend l'avion ce soir et on a quand même hâte de faire plein de câlins à nos petits.